Et alors, au niveau différence entre cet ampli-là et le mien. Tu as plus, beaucoup plus de chaleur grave, ce qui lui manque à lui. Ouais. Enfin, bon, j'aime bien quand ça pète, mais j'aime bien aussi quand il y a du corps. Et tu en as beaucoup plus. Là, t'as un son qui reste très nasillard. Ouais, j'ai entendu, hein, il y a plus de médium, j'ai l'impression, oui, c'est ça. Hein, c'est son défaut quelque part, il est très nasillard. C'est pas un problème quand tu joues avec un bass bat, c'est un problème quand tu joues tout seul comme ça. Là, il te manque la basse et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a moins de saturation que quand tu mets. Ça n'a rien à voir. C'est pas, là, je suis à bure au niveau saturation. Hein, tu vois, mais c'est rien à voir avec. Il n'y a pas de saturation. Si tu veux de la saturation, il faut mettre une pédale. Il faut mettre l'ampli à fond ou une pédale. Une pédale. C'est pas, t'as un gros crunch, quoi, mais t'as pas de vraie saturation là-dessus. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour jouer du métal, ça. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Quand tu veux sortir des trucs bien gras, c'est pas ça. Après, ce qu'il faudrait essayer, ton ampli, c'est en situation, en groupe. C'est tellement différent. Ouais. Tu vois, avec un bass-bat. Mais maintenant que j'en ai fait deux, ça sera peut-être le cas. Je le prêterai peut-être pour que les gens essayent en. Vraiment, en vrai il va voir comment que ça se passe en groupe, parce que mine de rien, un ampli qui sonne nickel comme ça tout seul, c'est pas du tout dit qu'il sonne nickel en groupe. Tu vas avoir les cymbales qui vont tout bouffer les aigus, tu vas avoir la basse et la grosse caisse qui vont tout bouffer les graves, donc il te reste effectivement que le médium pour pleurer. Là, tu vois ta qualité de médium. Ce truc-là, parce que la batterie, ça passe super. Ça passe super parce que m'en fous, les aigus sont bouffés par finalement, la basse à la guitare, t'en as pas quand tu joues. Plusieurs, quoi. Tout est bouffé par. En tout cas, le mien côté. Pour celui qui veut jouer en appart. C'est bien mieux que ça. C'est bien mieux. C'est bien mieux que ça, c'est pas comparable. Tu l'entends, c'est pas. C'est plus chaud. C'est plus chaud, t'as pas besoin de monter tant que ça pour avoir un truc. C'est plus propre, c'est beaucoup plus propre, ça bave moins, c'est plus précis. Après, c'est pas fatalement de qualité pour moi. Oui, ça dépend des. Oui, ça dépend de ce qu'on veut faire. Après, faut mettre de la disco. Même le gras, il est précis. Tu vois, t'es là, j'étais sur les simples bobinages avec ma Strat, et à faire du gros power cord, ça reste propre, moins avec ça. Là, ça tu sens que ça part un petit peu plus en bouillie, quoi. Ouais. Mais. Avec mon modèle, tu vois, avec des gros tirants, parce que ça compte pour la bouillie aussi. Quoi. Aussi. Ouais, bah, là, ça tient bien le power, il est bien, il reste bien gras, bien puissant, bien. Tu as l'impression que quand tu joues ça, tu vas avoir une mare de graisse partout. Ça, non, c'est sec. Ouais. Ça reste bien, toujours tranchant et sec. Quoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, super, c'est super. Franchement, c'est de super qualité. Quoi. Écoute, merci. Non, mais c'est.